cette semaine. Donc je vais voir ça avec vous. Et puis, j'espère que ça vous plaira. Alors, ici, il y a des promotions sur de la viande. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez que je ne mange pas de viande. Mais je vais présenter ça pour vous. Donc, ici, on a de la viande bovine, pot-au-feu avec os à 6,79€ le kilo. Là, on a 6 steaks de bœuf à griller à 6,49€ les 600 grammes. Là, 8 steaks hachés. Par contre, c'est 20% de matière grasse, donc je sais que c'est pas les meilleurs. À 5,19€ les 800 grammes. Ici, 2 rôtis de bœuf. Donc pour 1,4€ à 15,99€. De la blanquette de veau, 750 grammes à 7,99€. De jambon à 5,49€ le kilo, de filets de porc à 6,09€ le kilo, 8 steaks de porc à 5,49€ les 800 grammes et 12 côtes de porc à 4,19€ le kilo. Découpé à 6,49€ le kilo, une barquette d'un kilo d'escalope de thym à 6,59€, des cuisses de poulet à 2,12€ le kilo et des tomates farcies, ça c'est trop bon, à 4,99€. Ça c'est pas cher, donc ça peut être pas mal pour faire des quiches aux poireaux, des soupes, des choses comme ça. Un chou vert brisé, 1,29€. C'est pas ce que je consomme le plus, la soupe au chou, j'aime pas le plus ça parce que ça sent vraiment très fort. Et après, j'ai pas trop de plats que je cuisine avec du chou. Des oignons jaunes par contre, 59 centimes le filet d'un kilo, c'est vraiment pas cher, donc à voir s'ils sont bons. Parce que des fois j'ai dit, ils font un peu la tronche les légumes. Les navets, alors ça j'aime pas ça. Mais alors j'aime pas ça, mais j'en achèterai pas. C'est sûr. 500 grammes, 89 centimes. Ensuite, en bas. Les pommes de terre de consommation. 1,49€ les 2,5 kg. Donc ça peut-être, éventuellement, il faudrait que je regarde s'il me reste des pommes de terre ou pas. Et les légumes.
pas sûre que j'aime ça. C'est quoi l'espèce de fourrage? C'est confiture, confiture chocolat. Je sais pas, ça y est. Il me faudrait plus d'informations. Donc dites-moi si vous connaissez. C'est 3,99€. La boîte. Alors, un duo confiture extra, extra ou préparation de fruits. Donc préparation poire ou confiture pêche abricot, confiture framboise groseille, confiture fraise rhubarbe. Alors attendez, ça doit être poire anis parce que je vois une petite photo d'anis. Donc ça, je pense pas que je vais acheter parce que en ce moment je voulais acheter une confiture mais là les parfums me tentent moyennement. Donc je crois que je vais rester sur des confitures un petit peu plus classiques. Ici on a des demi-abricots au sirop, 1,59€ le gros pot de 604. Non mais alors attendez, il y a un problème d'étiquetage là. Parce que là c'est un pot de 680 grammes. Et là ils mettent 395. Alors est-ce que c'est poids net, poids net et poids brut? Je le sens avec l'eau. Je sais pas, mais en tout cas ça c'est pas très cher. Donc je pourrais éventuellement les prendre. À voir. Ensuite, on a des billes de chewing-gum comme qu'on achetait quand on était petit. Ça ne m'intéresse pas. Des crêpes nature pure beurre, ça ne m'intéresse pas parce qu'elles sont pas bonnes les crêpes comme ça, moi je trouve. Et puis à ce prix-là, autant les faire soi-même. Une soupe de poisson, alors ça, j'en mange plus depuis que mes parents ont arrêté de m'obliger, donc non merci. Préparation pomme de terre sautée, lardon oignon. Alors non, puisqu'il y a des lardons, et ni moi, ni mon amoureux n'en consommons. Mais après ça, je trouve que quand on est en accompagnement, ça peut être pas mal. Si on n'a pas le temps de cuisiner. Ici c'est quoi? Un pilchard de hareng. Mais c'est quoi ça? À la sauce tomate. Alors ça, je connais pas du tout. Donc ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me dire. J'ai jamais entendu parler de ce machin. Ici, un assortiment de curry. Curry classique, floral, thaï rouge, piquant, oriental. Je suis super intriguée par ça. Je connais pas du tout. Alors faudrait que je me renseigne sur ça là. Oriental, thaï rouge et floral pour voir si ça m'intéresse. Mais alors ça c'est possible que je l'achète parce que 1,39€ pour se faire des petits curry différents là, pourquoi pas. Alors ensuite, un tensiomètre au poignet. Alors ça moi j'en ai pas du tout l'utilité. Ça coûte 14,99€ mais je sais que ma mère et ma belle-mère en ont et s'en servent pour pas prendre leur tension quoi. Donc à voir si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui l'utilise. Après je ne connais pas la marque Quick. Donc est-ce que c'est bien ou pas? Je ne sais pas. Un thermomètre infrarouge, je prends jamais ma température donc non. Mais si vous avez des enfants, je sais que c'est le genre de choses qui peut être utile. Donc 10,99€ à voir. Une bouillotte, 4,99€, je trouve que ça fait cher pour une bouillotte. Honnêtement, vous pouvez prendre un tissu, mettre des grains de riz dedans, mettre ça au micro-ondes, puis dans votre lit, et ça fait bouillotte aussi, donc vous n'êtes pas obligé d'aller prendre un machin comme ça. Donc moi, du coup, honnêtement, je ne l'achèterai pas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des amaryllis en pot. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Oh, celle-là, mais même celle-là, j'adore ça, je trouve ça super joli. 2,79€ la plante. Bon. Je suis tellement nulle. J'ai tellement pas la main verte. Je vais crever tous mes trucs. Donc ça, j'en achèterai peut-être. Mais bon, intérieur, mi-ombre, peu d'arrosage. Bon, peu d'arrosage. On pourrait peut-être espérer que, voilà. Les rosiers en pot. 2€. Ah, par contre, c'est intérieur. 2,99€. Donc ça, j'achèterai pas. Puis en plus, arrosage régulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont forcés à les à pousser. 5,49€ l'unité, c'est super cher. Intérieur, peu d'arrosage, mais c'était plus de quoi, on sait même pas. Bon, c'est peut-être précisé en magasin à voir, mais en tout cas, ça, par contre, super bon. Mais je suis pas sûre que ça refleurisse la marque les autres fois. Alors, un coussin chauffant, cou, nuque et épaule. 16,99€. Ben non, pour ce prix-là, non.
Une ceinture ou coussin garni de céréales. Ah bah ça c'est ce que je vous disais pour faire coussin garni de noyaux de cerise ou de seigle. Pour que je vous disais pour faire une bouillotte. Mais alors 4,99€ ou 2,69€, ça fait un peu cher. Ça fait un peu cher quand même. Alors, un appareil de massage shiatsu. Alors ça, on vient d'en acheter un. On s'est acheté ça pour Noël. Donc là, il coûte 29,99€. Nous, celui qu'on a acheté coûtait 50€. Mais il était beaucoup plus épais. Beaucoup plus large que celui qui est là sur la photo. Honnêtement, c'est vraiment top. Donc ça, c'est le genre de choses que je vous conseillerais d'acheter si vous aimez bien les massages. Je ne vous conseillais pas d'acheter celui-là parce qu'il avait l'air très petit. Et que au final, pour 50€, on peut en avoir un beaucoup mieux sur Amazon. Par contre, il est comme le mien. Il fonctionne sur secteur. Ensuite, on a un pèse-personne, un pédance-mètre. Donc, il donne la masse graisseuse musculaire et haut. J'utilise pas de pèse-personne. Donc, je suis désolée, en fait, ça m'intéresse pas du tout. Après, c'est 12,99€. Et mon amoureux qui se pèse une fois par an, quoi. Je pense qu'il se débrouillera pour le faire chez le médecin. Ensuite, on a des boîtes de comprimés effervescents Juvami. Alors, moi, je ne suis pas convaincue par ça. Mais je sais que mon amoureux veut ça. Donc je me dis, plutôt que de la payer super cher, autant l'acheter là, vu que 2,99€, il me semble que c'est moins cher que ce que moi j'achète pour le 12 vitamines, 8 minéraux. Donc je vais râler. Ensuite, alors là, ça y est, c'est bientôt. Nouvel an, nouvelle résolution, c'est ça. Donc, un trampoline d'intérieur, 45€. Pff, franchement, ça, je suis pas du tout convaincue, quoi. Ça a pas l'air intéressant. Puis c'est le genre de truc, j'ai l'impression que tu l'utilises deux fois, puis terminé, quoi. Ça, c'est pareil. C'est quoi le coussin plateau d'équilibre rond? Je suis pas du tout convaincue non plus. 7,99€, ça sent le truc que tu vas pas utiliser. Alors, accessoires fitness, ça c'est les trucs qu'il faut serrer là, c'est ça. Corde à sauter, poignée pour pompe, ça à la limite, ça me semble plus réaliste pour 4,99€. Un step, alors ça, bizarrement, je suis moins pas convaincue. Parce que le step, je sais que tu peux trouver facilement des vidéos avec des petites danses, des petites musiques, des petites chorégraphies pour 15€. Ça, je trouve que c'est plus sympa parce que contrairement à ça ou à ça, ça tu peux danser un peu machin et tout. Donc moi je suis plus convaincue. Je vois qu'en plus il y a 3 niveaux de hauteur réglables, donc ça c'est pas mal. Ça, à la limite, pourquoi pas, même si moi j'en achèterais pas, mais pourquoi pas. Des accessoires pour abdominaux, poignées pour pompe, roues abdominales, coussins pour abdominaux. Ça, je sais que typiquement, nous, on l'utilise. Enfin, moi, je l'utiliserai pas. Par contre, mon amoureux, ça pourrait être le genre de truc qu'il achète. Après, comme je dis depuis le début de cette page, attention aux trucs que t'achètes et que tu n'utilises pas, quoi. Pour une musculation, moi, je préfère les petits haltères plutôt que ça. Donc, ça, j'achèterai pas. Et mon amoureux, c'est pareil. Balle de gymnastique. Alors ça, j'en avais avant. Et puis après, j'ai eu des chats qui me l'ont crevé. Donc, je vais pas en racheter. Par contre, je vois qu'elle est beaucoup, mais alors beaucoup moins chère que celle de Decathlon. Donc, à voir. Est-ce que c'est une qualité équivalente et que Decathlon nous arnaque? Ou est-ce que c'est un truc encore plus pourri? Les électrostimulateurs, ça, moi, je suis pas du tout convaincue. 24,99€. Donc, voilà, dites-moi si c'est bien ou pas. Mais moi, j'en ai pas. Ça ne m'intéresse pas. Alors, un petit sac de sport. Par contre, ils sont jolis, leurs sacs de sport, pour 10€, franchement. Ils sont sympas. Ça, si vous en avez besoin, moi, je trouve qu'ils sont vraiment sympas. Moi, j'en ai pas besoin. Donc, non. Un bracelet d'activité, moi, j'en ai pas besoin. Et mon amoureux a déjà une montre comme ça. Écouteurs intra-auriculaires sans fil. Et tiens, ça, je dirais ça à mon amoureux. Parce que je sais que il aime bien les machins comme ça. Donc il faudra qu'il voit si ça l'intéresse. Et deux serviettes, drap de bain. Non, attendez. Deux serviettes ou drap de bain.
blender chauffant. J'en ai pas besoin puisque j'ai mon robot compagnon. Mais si vous voulez avoir un blender chauffant qui vous prépare des soupes, ça peut être bien. Par contre, je vois que le bol est en plastique, donc ça veut dire que vous aurez plein de particules plastiques dans votre bouffe. Donc je recommanderais pas celui-là. Ici, un appareil coffre croque-monsieur et c'est quoi ça? Grill. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Alors ça, il va falloir m'expliquer. 20 euros. Écoutez, on a déjà un appareil qui fait ça. Donc on va pas en rajouter. Ça, moi je trouve qu'un appareil coffre croque-monsieur, c'est un indispensable dans une maison. Dans le sens où c'est vraiment bon. Et puis même moi qui mange plus de viande, des fois ça m'est déjà arrivé de faire des croque-monsieur. Ben, que fromage, avec, vous savez, les espèces de carrés de faux fromage là. Hop. Ou alors, chez Aldi, je vous ai déjà raconté de nombreuses fois si vous suivez ma chaîne, ils ont de la charcuterie au tofu qui est vraiment pas trop mauvaise et qui coûte pas trop cher puisque c'est 3 euros la boîte. Donc sinon, je peux faire ça aussi. Donc mettre une petite rondelle de fausse charcuterie et puis un peu de fromage et voilà. Donc moi, je trouve que ça reste un indispensable. Après, est-ce que celui-là est bien? Je sais pas. Et là, j'avoue, il y a la puissance qui est marquée là. Alors moi, je connais pas par cœur la puissance d'un appareil à croque-monsieur. Une cocotte minute. Donc ça, nous, on n'en a pas. Parce que, comme je disais, j'ai le compagnon, donc je me débrouille avec ça. Après, je trouve que c'est un indispensable dans une maison, à voir si ça là, elle vaut vraiment le coup. Et puis avoir aussi la disponibilité des pièces détachées. Parce que moi, je sais que mes parents, la leur qui date d'il y a au moins 10 ans, il y a eu un moment où, c'est pas qu'elle fonctionnait plus, mais c'est que le joint était à changer. Or, comme c'était une de la marque Seb, ils ont pu trouver facilement les pièces détachées. Là, je suis pas sûre que ce soit le cas. Ici, bon, je sais pas ce qu'il a ce chat. Alors, désolé si vous entendez miauler en fond. Donc ici, on a un lot de 13 boîtes. Ah, ça tombe. Type boîte tupperware. Donc, ceux qui me connaissent bien savent que j'ai la passion des tupperware. Mais ceux-là, le couvercle a l'air tout pourri. Donc je vais pas les acheter. Franchement, faut que je sois raisonnable quand même. J'en ai plein à la maison. Ah tiens, saveur d'Italie. Alors, est-ce qu'on a des trucs sympas? Les panini pour sandwich, 1,49€. Ça, j'aime bien de temps en temps pour changer. Je me fais des petits sandwichs à la maison. Donc, ça, c'est fort possible que j'achète. Alors, ça, c'est quoi? C'est des petits pains. Je crois que c'est des petits pains. Fromage oignon. Oh putain, punaise, tu dois vraiment sentir bon de la bouche après avec ça. Pas sûr que j'achète. Antipasti de la mer, probablement pas. Bruschetta, probablement pas. Huile d'olive aromatisée, non plus. Alors ça, il y a quoi? Tomate séchée, j'aime pas ça. Poivrons grillés, ça peut être. Artichaut, j'aime pas ça non plus. Donc peut-être des poivrons grillés, ça peut changer dans une recette, ça, de mettre ça. L'hiver, tu mets ça dans ta... Tu te fais un plat, puis tu mets ça en accompagnement. Je verrais bien, par exemple, un plat de pâtes avec de la sauce tomate. Ça, et puis, soit une légumineuse, soit du soja. Ça doit être bon. Alors, ici, de la sauce pour bruschetta. Alors, j'ai jamais fait de bruschetta. Mais par contre, la sauce, vous voyez la sauce tomate, là? À mon avis, elle doit avoir un peu des morceaux de tomate. Et ça, ça peut être pas mal pour aller, du coup, avec mes poivrons. Et la recette que je vous disais. Sauce au vinaigre balsamique, ça ne m'intéresse pas. Alors tiens, des farfales fantasy. Alors ça, le problème, c'est que c'est toujours joli dans les paquets. Et puis quand tu les fais cuire, bah, ça devient nul. Donc malheureusement, je pense que je vais pas en acheter. Alors là, c'est quoi, qualité bronze? Ah, c'est fait dans un moule en bronze. Alors ça, je savais pas que c'était censé être bien. Bah écoutez, vous avez des spaghettis, des rigatoni, des pâtes géantes, donc lumagoni, fusilloni. Bah écoutez, je ne pense pas en acheter, on mange pas beaucoup de pâtes à la maison. Du riz pour risotto, j'en fais jamais. Du vin italien, on en mange jamais. Enfin, moi,
ils seront de bonne qualité, pas sûr. Et puis c'est surtout qu'ils font 750 grammes et 1 kg. Donc pour moi, ça va être trop grand. Donc j'ai acheté un mini Pantone chez Lidl. Ça nous suffira, pardon, amplement tous les deux. Donc voilà. Mais après, moi j'aime bien acheter un Pantone à la nouvelle. Alors ici, on a des petits biscuits italiens. Moi, je préfère les faire moi-même. Donc non, le tiramisu, pareil. Alors la liqueur de citron, alors ça c'est un truc, moi j'utilise pas dans mes recettes si vous en avez besoin. Les amaretti, pareil, ça c'est pas quelque chose que j'utilise, mais c'est super bon, donc pourquoi pas. Alors ici, bah, des émincés de filets de poulet, 3,29€. C'est pas très cher. Après, je sais plus si je l'ai précisé tout à l'heure ou pas, nous on n'achète pas la viande chez Lidl, donc voilà, pour mon amoureux. Donc probablement qu'on l'achètera pas. Les filets de limande du Nord façon meunière. Alors ça peut être pas mal pour changer un petit peu. A voir, 7,69€ les 800 grammes. A voir combien. Pour mon amoureux, du gorgonzola. Oh, non, c'est trop fort pour moi. Le pain familial, il est super bon celui-là. Chez Aldi, moi je l'achète à chaque fois que j'y vais. Donc ça va pas, c'est sûr que j'en achèterai, surtout s'il y a une promo. Le tiramisu, je viens de dire, j'en achète pas là-bas. Des croissants fourrés cacao noisette. Oh, ça doit être écœurant ça. Alors moi j'aime pas trop les croissants, c'est pas trop mon truc. Par contre mon amoureux, ça et ça, il adore ça. Donc je verrai s'il veut quelque chose ou pas. Parce que moi ça et ça, j'aime pas ça. Donc s'il en prend, il mange tout. Et on peut pas dire que ce soit léger. Ma batterie se met à clignoter, donc je vais faire cette page et puis je vais m'arrêter là. Ici, des tagliatelles panzani. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'achète pas énormément de pâtes, donc probablement non. Une soupe tomate vermicelle. C'est pas le parfum de soupe que je préfère, donc non. Des Kinder Bueno White. Ça, vaut mieux pas qu'on en achète. Juste après les fêtes. Allez, tiens, ici, on continue à se plaindre. Donc non, et puis comme je disais, on a déjà plein de cochonneries, donc c'est pareil, ça, on va pas en acheter. Surtout que les palmitos, c'est pas trop ce que j'aime. Ma mère adore ça par contre, alors quand j'étais petite, elle nous en achetait des fois pour en manger. Mais nous, on aimait pas ça. Donc non. Les petits beurres Saint-Michel, c'est pas quelque chose que j'utilise, donc non. Les croustilles fondants, alors ça par contre, c'est bon. Mais 1,39€ les 150 grammes, c'est hors de question. Vous, si vous avez vu le prix au kilo par rapport aux deux autres biscuits. Non mais c'est beaucoup trop cher. Donc, et puis voilà, en plus j'ai dit des trucs plaisir. On n'en a pas besoin. Oh, les jacinthes en pot, elles sont belles. Oh, quel dommage. Arrosage régulier. Bah, laissez tomber. Ah, mais alors attendez, ils disent intérieur ou extérieur. Donc, si je les plante dehors, ça résiste au gel, ces machins-là, pas sûr. Il faut que je me renseigne. Parce que, alors, ça, par contre, dans un jardin, c'est super joli. Donc, à voir. Sur une terrasse et tout. Et ici, plante verte avec cache-pot en céramique. Par contre, alors les cache-pots sont super jolis. Ils ressemblent vraiment à ça. En vrai, j'aime beaucoup. 4,99€, c'est pas super cher. Intérieur, peu d'arrosage, mi-ombre. Alors ça, franchement, c'est super mignon pour un petit cadeau. Franchement, si vous avez quelqu'un à qui vous avez besoin de faire un petit cadeau, ça, je trouve ça super sympa et puis pas très cher. Bah celle-là, là, qui est tout, qui part en, de tous les côtés avec le pot, là. Oh, super joli. Donc ça, pourquoi pas. Si vous avez un petit cadeau à faire, il va rester encore deux doubles pages, mais tant pis. Je vais passer et puis on va faire les derniers petits produits ici. Alors par contre, il y a mon amoureux qui fait du bruit, donc je vais faire ça express. Des lingettes nettoyantes. J'essaye d'éviter d'en acheter pour mon amoureux. N'utilise pas. Donc non. Du Saint-Marc nettoyant multi-usage. Pareil, on a d'autres produits plus naturels. Donc non. Du liquide vaisselle. J'ai fait une recharge il n'y a pas longtemps. Donc non. Et du... C'est quoi ça? Brillance cristal, gel. Lavage après lavage, efficace en cycle court. Donc ça doit être du gel pour nettoyer à la place des tablettes de lave-vaisselle, je pense. Mais du coup, on a déjà des tablettes de lave-vaisselle. Donc, voilà. J'espère que cette grosse vidéo part.